Gerda Dundhoven, texte de Karl Norak, Vent d'hiver, La joie de lire. Bleu, rouge, blanc, les couleurs de l'hiver, le bleu pour le froid, le rouge pour la chaleur du feu et le blanc pour tout le reste. Un défi que s'est imposé pour cet album de poèmes sur l'hiver, Gerda Dundhoven. Le trait de Gerda, tellement caractéristique, se reconnaît entre mille. De loin, on dirait des caricatures. Femme à chignon, homme à barbe, habillée à l'ancienne et souvent vue de profil. Mais de près, on décèle les bizarreries, les collisions d'idées, les tremblés, les superpositions, les trouvailles jusqu'à l'absurde, l'infinie poésie. On déguste l'utilisation des couleurs, le jeu sur les perspectives et les proportions, l'émotion qui se dégage de ces compositions inventives. 8 scènes d'hiver. Mais un hiver à la mode Gerda. On skie sans pente ni neige. L'hiver invente le rhume et en attrape un aussitôt. Une femme qui déteste le froid observe depuis sa fenêtre l'hiver qui s'est installé sur un banc en face de chez elle et qui déteste le froid tout autant qu'elle. Une petite fille appelle la secrétaire de l'hiver pour lui dire sa gratitude alors qu'une autre a dansé avec un ours polaire et attrapé la grippe. Un homme se déchausse devant la mer pour se sentir ours polaire alors qu'au Japon, les esprits des arbres apprennent aux jeunes à danser pour faire tomber la neige. Ces images de Gerda Dundhoven sont le fruit d'un travail avec l'auteur. Elle envisageait une série de livres sur les saisons à partir de textes existants. Mais elle a finalement proposé à Karl Norak d'en écrire de nouveaux à partir des dessins qu'elle avait déjà faits. Et elle a réalisé d'autres dessins à partir des textes. Le monde de Gerda est bizarre et imaginatif, drôle et ludique, terriblement intrigant, le résultat de longues recherches et de multiples expérimentations. Pour s'inspirer, elle cherche des photos, des peintures, son mood board. Avec ses grands ciseaux, elle découpe des formes, les compose et les colle sur une feuille. Elle crée les lignes et les ombres sur une autre feuille et achève le dessin à l'ordinateur. « Ce qui m'inspire surtout, dit-elle, ce sont les artistes qui sont libres dans leur travail. » Les artistes qui osent faire des choses, qui osent se balader sur un chemin inconnu, les artistes qui ont un esprit libre, non coincé. Saurez-vous retrouver toutes ces inspirations artistiques ? Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ?